Bonjour, là je suis à Valence et je viens de voir un enjoliveur. Un chingo. Bye. Bonjour, là je suis à Valence et je viens de voir un joli enjoliveur de Peugeot 2008. Cassé. Bye. Bonjour, je suis à Valence et je viens de voir un enjoliveur de Micra. Waouh. Joli. Dommage pour l'éclipse cassée. Bye. Bonjour, là je suis à Alex et je viens de voir un enjoliveur de Renault Clio 3. 15 pouces, rayure neuve. Bye. Bonjour, alors pendant 15 jours j'ai trouvé que 4 enjoliveurs. Pour commencer, voici un Renault Twingo, 1 face 2 en 14 pouces, qui était dans un état horrible, que j'ai repeint vite fait. Quelques rayures et une petite cassure au bord. Mais ils sont des fois dans des états bien plus pires. À l'arrière, il avait été écrasé, mais j'ai réparé l'éclipse. Donc tout est en bon état, aucune cassure. C'est modèle Nénuphar. Et c'est un qui a été refait car il est 2010. Après un horrible enjoliveur de Renault Clio, Clio 3 en 15, car il a été repeint. Il y a des rayures. Il a une grosse bosse. À l'arrière, toutes les fixations sont OK. Modèle Dermic en 15. Il est de 2005. Après un joli enjoliveur de Nissan Micra en 7, mon premier. L'avant est en très bon état, malgré une petite rayure ici. À l'arrière, ces deux clips étaient cassés et ont été recollés. Et un clip se reste manquant. Mais il reste en bon état. Il est de 2019. Et pour finir, un Peugeot 2008. Assez rare. Mais celui-ci, malheureusement, est cassé au bord. Ce qui est vraiment dommage. Et à l'arrière, il manque deux clips. Mais c'est réparable. Il est de 2015. Il arrive. Bye.